Bonjour, vous êtes professionnel du champ de l'animation, de l'éducation ou encore du médico-social. Cette formation est susceptible de vous intéresser. Nous vous la proposons dans le cadre du service de formation continue en sciences humaines et sociales ici à l'Université catholique de Lyon. Bonjour, je suis Philippe Villeval et j'accompagne à Lyon et dans la région des personnes et des groupes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Du coup, le pouvoir d'agir, ça veut dire quoi? Parce que c'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations sociales, médico-sociales. Il s'agit de développer le pouvoir d'agir des personnes, des usagers, des habitants, et sans qu'on définisse toujours réellement ce que ça veut dire. Dans cette formation de deux jours, on vous propose justement de prendre du temps pour se demander ensemble ce que recouvre le pouvoir d'agir. À la fois, qu'est-ce que ça veut dire au sens de c'est quoi sa définition, c'est quoi les approches, c'est quoi les modèles auxquels on peut se référer, et qu'est-ce que ça veut dire également en termes de pratiques professionnelles. Comment ça se décline dans les pratiques professionnelles, comment ça se met en œuvre concrètement. Dans cette formation, il y aura bien sûr des apports de ma part sur différents modèles, différentes approches, avec différents auteurs, et puis aussi des temps d'échange entre nous, entre vous, sur vos pratiques professionnelles, sur les questions que ça vous pose, sur les ressources dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de l'UCLI ou alors téléphoner au secrétariat.